technique, il est grave technique. Il a pas de vitesse, mais ça arrive. Et je pense qu'on finira. Ah, mais les gars, bah voilà, on va faire ça. Là, on fait carré manager et on finira ce live en beauté avec Zaki. C'est bon? Là, tu vois, il est 17h45, on fait un peu de manager, tout ça, etc. Et Zaki ce soir, les gars. Zaki, on fait toute la fin de saison. Et à la fin du live, à minuit, on trouvera un club. Et le live, il se terminera. Incroyable. C'est bon, les gars? Tous ceux qui veulent du Zaki, là. Alors, lui, il est sur la liste, liste, liste. Liste, listé, listé, listé. Prêté. Toi, on va te lister. Toi, on va te lister aussi. Toi, on va te lister aussi. On va tous les lister là. On va faire un ménage, les gars. On va faire un bon ménage pour le prochain mercato. Et là, les gars, on va jouer contre Brest. C'est parti. Zaki, c'est un goat. Ah, Zaki, les gars, ce soir, ça va être une En jouant dinguerie. sur Alexandre Lacazette, il est absolument Oh, décisif putain, je suis depuis le début de la fatigué. saison. On se retrouve tout de suite pour le Merci coup d'envoi Junior, du tu match. régales. T'inquiète, on est là. Bientôt la fin du 48 heures. Là, je commence vraiment à les sentir là. Ça fait 42 heures de live, bordel. En fait, c'est mon corps. Bonsoir à tous. C'est fait d'être Évidemment, assis la autant de temps première en info fait de la soirée, c'est qui me cette détruit nuit là. qui tombe sur la pelouse. Il faudra donc s'attendre quelques bonnes glissades et à un ou deux contrôles manqués. Les gars, Pour c'est vous parti. Est-ce qu'il y servir, aura 6 pour buts vous dans le faire match? vivre À vous ce de match, miser. le duo Omar Da C'est Fonseca, parti, let's Benjamin go. Da Silva. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. Et on sent que Le tout le live le monde est plus long de impatient l'histoire de du voir YouTube. débuter cette Non, saison. il y en a plein qui l'ont fait, hein, 48 heures. Mais moi, c'est mon plus long, jamais autant live. Jamais autant live, vraiment. Monsieur Leandro Gennaro, merci monsieur. Merci. De la Le caféine, les gars, rôle voici ce titulaire, que je bois. une De la disposition bonne caféine, un 4-5-1, bon on peut cappuccino. une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. La célébration de Mbappé où il glisse sur le terrain, s'il te plaît. On est fatigué. Alors, la compo lyonnaise, Regarde, tu sais ce que tu rapide fais? et Là, en on est sur endurance, YouTube, on est d'accord? On est sur organisation, YouTube. ce Tu 4-4-2 quittes à le plat, live, c'est un classique, tu vas dans et c'est recherche, tu mets Mbappé indémodable. célébration FIFA 23. C'est bon? Après, tu reviens ici. Par pitié. Là, on va commencer ce match là, on va pas quitter pour aller voir Mbappé glisser en fait. Quand même, mais faites un effort, aidez-moi. Quand même. C'est parti. Attends, Voilà, c'est tu parti, vois, coup j'ai d'envoi. précommandé le jeu, mais la version standard du coup, je l'aurai quand? Attends, t'as déjà la précommandé? Non, non, tu l'auras le 30 du coup, Ferreira non? à l'âge. Version standard. Parce que t'as pas le EA Pass. Luronen. Le EA Access ou je sais pas quoi là, leur Et c'est pour truc. Ferreira à l'âge. Pardon, j'ai roté. Tu l'auras le 30. En tout cas, bilan du Récupéré jeu, les par gars, franchement, je suis Camavinga. surpris de Tagliafico. voir à quel point il est bien. Ryan Cherki. J'aimerais bien Cette qu'il y fois, ait il plus reçoit de le trucs ballon. à acheter en carrière devient pro, mais en vrai, c'est déjà incroyable ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est lourd. Bon placement entre les Ça deux va pour grave nous occuper en récupérer. fait pendant la carrière, tu vois. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous Objectif, les à gars, un faire gros deux. match. Wesh, arrête, Avec arrête! sa fulgurance diabolique, Eh, c'est il pour rien s'est celle-là, elle imposé sur la m'énerve! zone record de buts marqués. Avertissement sans frein pour Idiote! l'instant. Pas de carton. Très bien. Elle À chaque fois, fait elle siffle pour rien! là. Attention, très bonne occasion. Oh là là, Oh, c'est c'est une vraiment dinguerie très celle-là! loin du cadre tout ça. Tu Mieux as vaut déjà joué pour avec le monde Paris? oublier cette Hier j'ai invité tentative. Adil, On on a n'est fait pas PSG Marseille. pénalisé. Ça va, c'était lourd. Lacazette. Vas-y. L'Olympique Lyonnais qui tente de porter le danger. La frappe est bien contrée. Ça fait longtemps. Ah bien. Ouais, ça sent la fumée là. Ça sent la fumée, qu'est-ce qui se passe? J'arrive.
c'est voisin, je crois. Je sais pas c'est où, mais c'est dehors. Hein. Et j'ai eu chaud. 48 heures de live, tout surchauffe. Non, c'est les voisins. Comment j'ai hâte de dormir ce soir. Par contre, le corner là, ça va en vrai. Les Corner corners, je était bien commence à savoir. ajusté. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ah. Et l'Olympique Lyonnais reste sur une victoire lors de sa Allez, dernière sortie les face à Lyonnais Lens. face à Brest. Comment peut-on envisager ce match? Oui, on se Qui est souvient une d'un équipe match très simple, la Croix. offensif avec cette large victoire à domicile. Vu leur forme actuelle, on peut espérer les voir gagner à nouveau. Lyon qui fait tourner. Une très bonne phase de Eh possession du ballon pour Badiz! provoquer le Marque de déséquilibre. GG pour Madame Badiz, les gars. Tout le Le ballon monde dit contact GG Bianco. Badiz. En Oui, la bonne intervention commentaire. de Duverne. Badiz qui paye mon grec de demain. Demain, je vais commander un grec grâce à toi, merci. Et le tir part bien. Oh, et la parade. Le public ne s'en GG trompe pas. Badiz, frère, tu te Souvent, le sens gardien comment? Moi, je me devient sens bien, hein. C'est titulaire à juste ce mon corps, en poste. fait. J'ai mal là. J'ai envie de m'allonger, les gars. Je commence à avoir mal au dos. Moi, je me sens archi bien. Je peux Le live tir arrive normal. pour ce corner. Je peux live normal 10 Nombreux heures de essais pour plus. Anthony Lopez. Mais je vais grave pas le faire. Mon corps, il veut s'allonger. Ansu Fati. Le jeu, il est tellement bien, gros. L'ouverture en profondeur. Tiens! Et le Wesh, c'est quoi ce but tir? signé Ansu Fati. Oui, monsieur. Oui, monsieur Fati. GG, oh là, live FIFA 24, 72 heures, jamais. Jamais. J'ai eu une dure journée. Attends, Badis, t'es resté dans le live pendant combien de temps? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est pas. Elle s'est pas douchée. 1-0, donc C'est totale de impossible qu'elle s'est l'affichage. douchée. C'est impossible. Elle était là du début à la fin, même quand je fais des pauses, elle est là. Mathias Pereira Du coup, là, qui Badiz, s'il te plaît, aère au moins ta chambre. Ouvre au moins les Pereira fenêtres, s'il te récupère plaît, le ballon. Badiz. Par pitié, pour le bien de la. Pereira Pour l'âge. le bien de la planète. Et c'est valable aussi pour Filou, s'il te plaît. La passe pour Ouvre-moi Ansu les Fati. rideaux. Va prendre l'air, va voir tes potes. Eh, vous me faites vraiment peur, certains. Vraiment, je m'inquiète. Où sont vos parents là? Pape Gueye. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Enlève le sondage. Orientation J'avoue, le sur Pape sondage Gueye. il gêne, hein. Bah, attends. Je suis un bâtard, je vous ai mis un sondage, j'ai grave pas écouté le sondage. Gueye. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est T'abuses. récupéré. On rigole, les enfants. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. On rigole. Ouais, ça presse bien. Ouais, c'est parti à la casette. L'équipe peut jouer le Monsieur contre. Fati. Regardez, regardez. Passe extérieur du pied. Ballon Oh là pour là Ryan là là. Cherki. Et ce jeu. Regardez. Attendez. Ballon Camavinga. Vous voulez voir un Et truc bien, les gars? Regardez. Rosso. Putain, je vais le faire extérieur du pied là. La balle est interceptée. Non, franchement, les extérieurs, les gars, cette année, satisfaisant de baiser. Satisfaisant de baiser. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, regardez. La C'est frappe est Nike! loin. Ah Rien de putain, je très voulais faire une difficile frappe. sur cet arrêt. Un power shoot, je sais pas quoi là. Et le Le power ballon est shoot! attaqué à l'antenne. Les Lyonnais Putain. obtiennent le corner et c'est Ça, l'occasion cette année, longue de plus échanger. ça va être trop cheaté. Mais wesh! Fatih fait appel contre appel, c'est un ouf lui. Ah non, il est perdu ce ballon. Voilà là-bas. Aïe aïe aïe, l'idée J'ai était pas fait bonne, le exprès. tir en finesse, mais ça manque d'application. Comment on Même fait en essayant extérieur de du la pied? placer, ça manquait de Avec vitesse, L2. des Mais vas-y là, directions. on va jouer sérieux là, les gars. Je suis désolé. Y en a, ils ont misé. C'est bientôt Y en a, le ils ont retour misé du leurs tir sous et là. pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour C'est l'équipe quoi la lyonnaise. prédit? La partie est très 6 serrée. buts dans le C'est match. bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre, laisser venir. La mi-temps va Vas-y, permettre de lâche. remobiliser tout le Merci, monde. c'est parti. 2v2. Tac. Ah ouais, je suis fatigué au collant. Allez, ballon gagné sur ce bon duel. C'est parti avec Cherki. Cherki, quel ballon? Tac.
J'ai écharqué les gars, double 5, hein. C'est une dinguerie. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Je crois que c'est le joueur qui a grave peu de gêne et qui a autant d'étoiles. Camavinga. Ballon vers Gusto. Vas-y. On rejoue avec lui. D'arrêt de jeu au minimum. C'est contré sans problème. Encore. Merci. Encore. Merci. Ça y est, la première période arrive à son terme. Badis de ouf, GG pour lui. De quoi vous parlez? Marc de GG à Junior pour ce live incroyable. On est au stade ou quoi là? Merci, merci l'équipe. Combien de temps tu live? Ça fait 42 heures. 42 heures de live. Fin du live à minuit. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. L'OL mène toujours d'un but. Vraiment, moi je pensais vraiment que je serais plus KO que ça. Vas-y. Pereira à l'âge. Allez, allez, mon gars, allez, voilà. Le ballon pour Pape Gueye. Yaman. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc. Gavi qui lève la tête, qui trouve Kamavinga. Pose le jeu, voilà. Voilà. Tac. 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 Un ballon intercepté, bonne intervention. Et le contre est possible maintenant. Pourquoi tu sautes? Et voilà une bonne intervention pour envoyer le ballon en corner. Pourquoi il n'y a personne qui parle? Je ne sais pas là pour parler, hein. Ils sont là pour voir un gameplay. Surtout ça fait 42 heures de live, je pense que les gens ils en ont marre de parler. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire en 42 heures? À un moment donné je pense que t'as plus rien à dire. Camavinga. C'est parti. Oui monsieur. Ah vas-y vas-y. Let's go. Let's go monsieur. Je dois répondre à un message. Regalito de la mañana. Attendez les gars, tous plus je dois répondre à un message. C'est bon, je suis là. I'm here. Sorry. C'est comment? Junior, tu tiens le coup? Bien sûr, je tiens le coup. Tac, Gavi. Tac. Tac. Putain, hey, la casette, il est lent. Lâche ta charrette un peu là. Vas-y. Oui, Laka. Oui, Laka. La casette. On remet des pilules dans le chat, les gars. Le coach, monsieur Leandro Giliro. Voilà pourquoi il y a la musique. Let's go, let's go, let's go. L'équipe de Lyon qui s'apprête à atomiser cette équipe. Allez, allez, allez. C'est parti. On met la pression. Et voilà toutes les pulls dans le chat. Merci. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ansu Fati qui trouve la casette dans la profondeur. La vitesse de la casette. La vitesse de la casette. La puissance de la casette. La frappe croisée de la. Oh le bâtard. Ouf. Oh, dommage, je l'ai pas passé celle-là. Vas-y, vas-y. Let's go. Monsieur Fati, le nouveau numéro 10 de Lyon qui porte l'équipe. Oui, monsieur. Monsieur, t'es mon étudiant préféré. Merci mon ref, ça fait plaisir. Mais y a pas faute maintenant. Putain mais quelle connasse. J'ai rien dit. Ouais. Dom. Cet arbitre. Ah j'avoue y a rien. Mais Théma, c'est quand même musclé quand même. Théma, wesh. Wesh, Théma, comment il vole? Y'a rien là. Théma. Théma, la hauteur. Il est à 5 mètres du langage. Putain, je suis con ou quoi celle-là?
Siffle ma gueule. Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. Brest affrontera le Stade Rennais. Effectivement, penalty. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, la main. Eh oui, on tire où? On tire où les refs? Les gars, si on marque, hein, je pense que la prédit, on se rapproche très vite de la prédit. Nistev, il a dit gauche, il prend la responsabilité. Attention, la casette. Voilà. Si on rate la prédit, c'est à cause de Nistev. Tu prends les responsabilités, tu assumes maintenant. Tu assumes. Putain, pourquoi je te l'écoute, Nistev, là? Corner qui est bien ajusté. C'est une dinguerie. Voilà, la contrôle. Et la frappe du diable. Oh, c'est le poteau, ça joue. Frappe du diable. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Nistev. On a vu le tâtonnage de la balle sur le menton. C'est une frappe du diable. Rien du tout. Frappe du diable. La frappe est bien penalty. Oh, penalty. Et c'est n'importe penalty quoi. Les gars, on tire où? Allez. Les Canadiens, ils confondent la droite et la gauche. Droite, Darrell, tu prends la responsabilité. Darrell, hein. Darrell, si là je loupe. Merci Darrell, merci. Merci monsieur Lacazette. Ce retour à Lyon. Bien aux supporters. Bien joué. Et c'est une manita. Ça fait maintenant à Brest en plus. Hein. En train de les froisser là-bas. Tac, tac. Tac, tac. Oh là 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 là. Un regalito. Un regalito. La prédit est validée. 6 buts dans le match. Quelle prestation des Lyonnais. C'est Nike. Après, il y a un truc que vous pouvez faire, les gars, c'est aller jusqu'au résultat. Parce qu'en fait, là, c'est fini, là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? 6-0, ça y est. C'est quoi le mail? 1 million pour lui. Je prends. Let's go. Sélection de Hongrie qui me propose. Ah, qualifié pour la Coupe du Monde carrément. Ok. La réponse est non. Pologne me propose non. Et c'est carré. Quel niveau? J'ai mis le niveau ultime. Mais c'est pas le niveau définitif. Genre le jeu n'est pas encore sorti, tu vois. Donc ils vont remodéliser ça, je pense. 5 minutes ultime. Difficulté basée sur les joueurs. On va activer le mode challenge aussi. Ça se trouve, ça va être plus dur. Mais je pense que c'est pas le vrai niveau, hein. Ça se voit là. Les frappes elles sont cheatées. Le goal, tous les goals sont éclatés. Tous les goals, tu tires, ça rentre. Tous les goals sont éclatés. Ils vont faire une mise à jour, vous inquiétez pas, et ça sera réaliste. Mais sinon, là, tous les matchs là, c'est 9-0, 6-0. C'est dommage. C'est vraiment dommage quoi. 17 buts en Ligue 1, monsieur. Monsieur Fati. Y aura-t-il un but avant la 15e minute dans le match? C'est parti. Et c'est parti pour ce match au Groupama. Le Groupama Stadium, les gars, avec les Lyonnais. C'est complet. C'est notre feuilleton favori, place à la Ligue. N'oublie pas, hier tu t'es fait froisser en ultime. Parce que je savais pas jouer, wesh. Je savais pas jouer. Là on joue contre Brest. En fait, ce qui est dommage ici, c'est que un match je gagne 5-0, le match d'après je peux perdre 6-1. C'est ce qui s'est passé hier. Là, ça se trouve, je vais perdre 6-1. Ça se trouve, je vais gagner 5-0. C'est vraiment aléatoire là. Les gars, votez, y aura-t-il un but avant la 15e minute dans le match? Alors, la compo lyonnaise. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat.
Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Change l'arbitre, mais tu peux pas changer l'arbitre, je crois, non? Tu peux? Le coup d'envoi de ce match avec l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est à moi de le faire, Crainry. Romain Febvre. Febvre. Et ça joue sur Gabi. Interception en pleine surface de réparation. Ah, le porteur est sous pression. C'est parti, c'est parti. Sur une victoire lors de sa dernière partie face à Brest. À quoi on peut s'attendre pour cette rencontre? Avec un Monsieur Gavi, une très belle et très spectaculaire victoire à l'extérieur. Ce n'est jamais facile, mais je les vois continuer sur cette trajectoire et rapporter ce match aujourd'hui. Tagliafico. La croix hérite du ballon. Excellent cette passe. Et ça joue Tagliafico. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Et cette reprise, je pense que j'ai tenté. Malheureusement, n'est pas cadré. C'est l'un des gestes de football le plus difficile à réaliser parce qu'il demande une parfaite coordination. Cette fois-ci, ça passe assez largement loin du but. À signaler qu'ils peuvent être leaders à la fin de cette journée, mais ça va aussi dépendre des résultats des autres matchs. Et oui, tout se passe bien pour cette équipe jusque-là. Et flirter avec les premières places à Oh, l'occasion de but. Attention. Quel but, quel but. La prédit est validée. La prédit est validée. Donc au tableau d'affichage. Wesh. T'es ouf toi. Ah, il y a faute mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Gabi. Ballon vers Busto. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Gabi avec le ballon. Ouh, Gabi extérieur du pied. Les gars, y aura-t-il un but de Lorient avant la mi-temps? C'est parti, misé. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. Accélération. Bonne vision, monsieur. Avec cette passe. Tac. 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 Dommage. Pourquoi pas cette tentative, mais c'est manqué cette occasion. L'occasion en effet d'aggraver la marque. J'ai rien fait, frère. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la place. Y aura-t-il un but de Lorient avant la mi-temps? Chef. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Quentin Boigard. En direction de Mofi. Ah, qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Ouais, évidemment, le coup franc est signalé. Oh là là, faut arrêter de simuler. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et pour l'arbitre, cette faute mérite un carton. Oh, c'est une dinguerie, y'a rien, wesh. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention. Vas-y, lâche. Pas bien donné ce sens. C'est parti, on y va, on y va. La vitesse de Fati. Donné dans la profondeur. La vitesse de Fati. Extérieur du pied de Fati. Oh là 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 là. Une regalito. Tu reprends quand devient pro? Devient pro 20h. 20h pile, de 20h à minuit. 20h à minuit, les gars. Très pragmatique. Peut-être même un peu simpliste. Mais c'est légitime. Donne ça, toi. Aussi, c'est très efficace. Tac. Tac. Et encore, hein. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à minuit là, de marquer autant de buts. Et à nouveau, Febvre. La frappe. Ballon facile pour le gardien. Parce que ça peut me saouler, tu vois. Autant attendre la mise à jour, peut-être, je sais pas. Mise à jour FIFA qui fera que le niveau ultime sera vraiment le niveau ultime. Julien Laporte. Parce que un coup ils sont forts,
Le match d'après, t'affrontes, ils sont nuls. Mofi qui reçoit le ballon. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Part. Il y a un contre à jouer maintenant. Ryan Cherki peut frapper. Regardez ça. Olé. J'en ai marre de marquer 10 000 buts, c'est pour ça que je peux marquer. J'en ai marre. Avec la casette. Ryan Cherki peut frapper. Très bonne prise de balle. T'es speed ou quoi à faire des tacles? Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Oui, c'est le premier but pour Clermont. Un but à zéro, donc, après 42 minutes de mais jeu. Putain, mais putain, je veux juste tirer le maillot. Mofi qui reçoit le ballon. Hey, la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut un grain de folie pour jouer au but. Merci. Ouais, ballon dangereux de Cherki. Il s'empare du ballon. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue. Fais le nouveau tacle. Le nouveau tacle, c'est... Faut appuyer deux fois. Faut appuyer deux fois sur le bouton du tir. C'est risqué, hein. Tu prends un carton rouge. Tu connais pas... Si, je connais. Ah, tu parlais de speed. J'aurais taclé. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Il fait que de tacler. C'est un ouf, lui. Regarde les stats de tes joueurs, s'il te plaît. Les stats, c'est-à-dire. Fin du match, tu veux. Putain de merde. On est enfin FIFA. On l'attendait, les gars. Depuis 2 mois, j'étais là. Tous les jours, je me réveillais, je mettais en recherche Twitter FIFA 23. Pour avoir de l'actualité sur FIFA 23. Et là, on y est, là. Ce jeu que tout le monde attendait. On l'a enfin. Tiens. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Y'a quoi, frère? L'arbitre a sifflé. Ah, hors jeu. Putain, j'ai des putains un câble. J'ai cru qu'elle avait sifflé faute. Oh, j'allais péter un câble. Attendez, vous m'entendez? Pourquoi le mec il dit son? Le son marche très bien. Tagliafico. Ansu Fati. Ah, on dit qu'un but vient d'être inscrit au stade. Valide la prédit. Oui, il s'agit du ah, la prédit, ok. En faveur de l'OM. Plutôt, okay, c'est. Un but inscrit par Matteo Guendouzi. De la tête. Un but à zéro, donc. Tandis qu'on joue la 50e minute de jeu. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Bien joué, ça. Bien joué, y'a rien. L'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Y aura-t-il un but encaissé? La réponse est non. L'entraîneur met la fraîcheur avec ce changement. Hop. Moi, dès que je vois que je gagne, c'est bon, moi je quitte. Hein. S'ennuyant après. Qui sera élu joueur de l'année? On est en quoi là? Ah, on est en décembre! Hé, hey, Ballon d'Or, c'est là! Ok, les gars, prédit. Hein. Je vous mets une prédit. Est-ce que Mbappé va gagner le Ballon d'Or? Allez-y, misez. Est-ce que Mbappé va gagner le Ballon d'Or? On le saura après ce match-là. Y'a qui? C'est qui le nominé? C'est Haaland, Mbappé, Benzema et Messi. Voilà, à vous de miser. Est-ce que Mbappé va gagner le Ballon d'Or? Je rappelle qu'il est quand même sur la jaquette. Et que, voilà quoi, c'est quand même Mbappé. À vous de miser, les gars. Pour ceux qui savent pas miser, mettez comme tout le monde, les gars. Point d'exclamation BET, espace, point d'exclamation oui si vous pensez que oui, non si vous pensez que non, espace, votre mise. Voilà. C'est parti, on commence ce match. Au bout de 2-0, je quitte. Ambiance chaude et festive pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette affiche.
Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de Carrière Manager. Qu'est-ce qu'on va recruter en janvier? Qu'est-ce qu'on va recruter en janvier à votre avis? Merci Pat Afonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. La Ligue 1 Uber Eats qu'on retrouve. Les gars, je réouvre les votes, ils se sont fermés. Hop, allez-y voter. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Ouais, il est chaud lui. Vous avez vu, regardez. D'un match à un autre, le niveau il peut augmenter d'un coup. Vous avez vu? C'est une dinguerie, wesh. Oui, il faut frapper maintenant. Et là, je peux perdre 5-0. Bon geste défensif, mais le danger est encore présent. Après, c'est buggé, tranquille. Ça vient de sortir. Voilà! Dans le couloir, les Lyonnais peuvent avancer. Dans la surface, là, c'est fait. Merci. Merci, Fèvre. De remettre les pendules à l'heure. Voilà, monsieur. Junior, c'est dur à avoir des pilules. Ah, frère, ça charbonne, hein. La vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Regardez, la pression défensive. Les gars, votez, les votes sont encore ouverts. Votez, votez, à votre avis, est-ce que Mbappé va gagner le ballon d'or? 1-0, donc, au tableau d'affichage. Putain, des vrais tacles. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ouais, bonne. Oh, c'est un bon ballon, ça. On dirait un gars qui s'en bat les couilles. Oh, ça y est. Les buts s'enchaînent. Compte favorable, frappe, but. On passe à autre chose là, allez. C'est parti les gars, j'arrête les votes. Et le ballon d'or est... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Merde, on voit pas, mais non. C'est qui? Oh les bâtards. Mais normalement il l'annonce là, là, il l'annonce... Il l'a annoncé jeudi, on est dimanche et ils ont enlevé. Putain. On sait pas c'est qui les gars. Je suis désolé. Ah peut-être que c'est plus tard, non? Peut-être que ça a changé cette année. Non? D'hab, c'est tous les jeudis, normalement. Genre jeudi, le premier jeudi du mois, ils annoncent les 4 nominés. Le deuxième jeudi, ils le disent. Donc, normalement, c'était le 8. Et le 8... Ça, c'est date du 8, ça. Le 8, le 8, le 8, le 8 et le 8. Ouais, ils ont toujours pas dit. Ils ont toujours pas dit. Je pense que ça a changé, c'est plus tous les jeudis. Et juste après, c'est le PSG. Hein. On va faire tourner. On va faire tourner avant le PSG. Ça va bien se passer. Retourne au 8. Comment ça retourne au 8? Attends, je sais plus. Ça fait bizarre de voir un jour de live, t'as vu ça? Rembourse-nous. Et les gens ils m'embrouillent comme ça, wesh. Mais ouais, je suis parti au 8, y'a pas. Ah, retourne au 8, genre, ok, j'ai capté. Genre, là je quitte, je m'ai quitté sans sauvegarder, c'est ça? Quitte et reviens, ok. Ah, vous êtes intelligent. À 17. Je reviens à 17, hein. Là, on est combien, là? Ah, mais putain, vous êtes intelligent. Mais c'est une dinguerie. Et vous avez saigné le jeu. Pour connaître cette technique-là. Bon, là, je suis au 9. Ah, voilà, c'est bon. Bien joué. Le meilleur joueur du monde est Mbappé. La réponse est oui. Incroyable. Bien joué, Nistev. Est-ce que vous avez encaissé vos sous, là? C'est bon, je suis ruiné. Courage.
courage, courage, courage. Je rappelle les gars que la fin du classement avec les pilules là, c'est le. C'est là, là. C'est le 30 à 20h. J'ai avancé, normalement c'était le 30 à minuit. Mais là, j'ai un code FIFA à donner pour un des gagnants. Et le code il expire à minuit justement. Donc autant arrêter à 20h, comme ça le mec il a le temps de rentrer le code. Est-ce qu'on le fait jouer lui? Est-ce que c'est un crack lui? 19 ans, Da Silva. Je vois c'est qui ce mec-là, mais dans le jeu, il est pas ouf. Montre-nous le classement complet. Vas-y, Forcément, après le match. tous les yeux sont rivés sur lui. Il est dans une forme étincelante. Rappelons cette place de leader au classement des buteurs en championnat. Alors, y aura-t-il un but dans le match avant la 10e minute? Let's go, à vous de miser. Et c'est Bonjour à parti tous pour et ce à match toutes. contre Rennes. Comme vous le voyez, la météo n'est pas terrible aujourd'hui, mais c'est plutôt parapluie, capuche et crampons en alu. Je suis donc dans la cabine de But dans le match commentateur, avant la accompagné 10e évidemment minute. d'Omar Da Il te reste combien de Entre temps? tout de suite la Ligue 1 Il me reste avec 6 heures de deux live. intéressants. J'arrête à minuit. Très belle fête en perspective qui s'annonce Minuit, entre deux fin du live. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match Et ça fera avec 48 heures. de personnes comme vous. C'est une dinguerie quand même, hein. On espère que ce match sera aussi J'avoue, il y a marqué live commencé il y a un jour. Putain. Merci à tous ceux qui ont liké, les gars. Vous êtes des cracks. Merci à tous ceux qui likent. Prends Almada. Moi, j'ai envie de ramener des joueurs français un peu. Les joueurs français partis trop tôt. sur la composition du stade rennais. Je vais ramener Guiri là. Là, j'ai vu avec Formation Guiri là, je vais le ramener à Lyon. Avec ses deux ailiers Je vais ramener de chaque Tchouaméni. côté. C'est le 4-3-3 Je traditionnel. vais ramener Fofana, tout ça là. Il y avait une période où vraiment Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Lyon c'était vraiment l'équipe de France avec Govou, Malouda, Wiltord, Peggy Luindula, Grégory Coupet, Skilacci, Givet, Réveillère. Que des joueurs de l'équipe de France. J'ai kiffé cette période. J'étais pas pour Lyon, hein. J'ai kiffé cette période. Ça faisait plaisir de voir que t'avais pas besoin de prendre des joueurs étrangers pour être bon en Europe. Du coup, on va remettre cette version-là, une version de Lyon 2.0. Il frappe. Eh, le gardien plonge bien. Avec plein de joueurs français. Il est pas incroyable le projet là. Ah, mais j'avais pas vu le truc violet. En fait, faut que la barre s'arrête au truc violet. Ah non. Cornea. Attention, c'est pas terminé. Vas-y. Ah voilà, 10e minute, la réponse est oui. Oh là 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 là. Mais Fatih, c'est trop, les gars. Fatih, c'est trop. Arrête. Arrête. Téma. Bah. Mais ouais, je dirais Olivier Tom. Oh, c'est trop. Fatih, les gars, c'est trop. Numéro 10, depuis qu'il a signé là. Il est trop fort. Prochain ballon d'or, Monsieur Fatih. Ok. Bourigeau. Bien défendu ça. Et Fatih qui part. La vitesse de Fatih. Hop. Et il y a du nouveau à Marseille. Un but au stade Ok. Vélodrome. Oui, c'est le premier but pour Marseille. Un but à zéro, donc, Y'a rien. après 12 minutes de jeu. Merci. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, et bien joué, la bonne intervention. En dessous, Fatih. Vas-y, vas-y, vas-y. En dessous, Fatih qui avance. Et alors, je signalais sur cette frappe avec cette déviation. Olivier Tom sur FIFA 2. Du Mise non, sur le match junior. Vous voulez encore une prédit là? Est-ce que vous voulez encore une prédit? Je vous sens pas trop réveillé en fait, c'est pour ça que je vous demande. Ça y est, y'a rien, y'a rien. Y'a rien? Oui.
coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Ryu il a dit non. Qu'est-ce qu'il y a, tu paniques Ryu là, t'es en difficulté au classement. Les gars, prochaine prédit, y aura-t-il un but de Rennes avant la mi-temps? Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Y aura-t-il un but de Rennes avant la mi-temps, les gars? Votez. Malo Gusto, la passe pour Tolisso. Super progression dans la moitié adverse. Tac. Extérieur du pied. Cette frappe. Ouf. C'est sur la barre, c'est pas fini. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Kamavinga reçoit le ballon. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus. Ah, mais je peux pas célébrer. Avec ses deux buts d'avance. Normalement, je devais pas célébrer. Je contraîne. Miskin. Il célèbre face à son ancien club. Ouais, deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Bourigeau. Une attaque et le danger se rapproche. J'essaie de faire le nouveau tac là. Le nouveau tac l'assassin. La passe vers Souleymana. Ouais, c'est bien récupéré ça. Maurice. Tac des deux pieds pour tuer des gens ça. Tolisso. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et Maurice, mesdames et messieurs. Attention à l'occasion. Oh oui, but. Et c'est le doublé. Quelle classe. Quelle à domicile surtout, de ouf. Il a célébré à l'aise. L'engagement qui vient d'être donné et l'Olympique Lyonnais qui a donc un troisième but d'avance au tableau d'affichage. Et Lyon. Kamaldine Souleymana. Souleymana qui reçoit le ballon. Amin Gouiri avec le ballon. Merci. Ouais, bien joué, bien défendu dans la merci, surface. Merci. Et c'est parti. Amin Gouiri, tac, donne le ballon. Tac. 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 Accélération. Olé, son frère il est passé. Ah, le ballon est dommage. Perdu. Là, j'ai seulement 200 pilules, j'ai tout perdu. T'inquiète, vous recevez des pilules toutes les. Dans la profondeur. Ah, cette offensive, mais hé, il est propre le tacle. Attention, parce que le coup franc est bien placé. Arrête de jeu et donc l'entraîneur. Oh, moi, je vais changer d'arbitre, moi. Celle-là me casse les couilles, celle-là. Les gars, maintenant, on va mettre un sondage dans le chat. Parce que là, j'en ai marre, là. Mais d'accord, il n'y a pas faute. Pour vous, est-ce qu'il y a faute? J'y mets un sondage. Votez. Là, vous êtes tous à la VAR. On vous appelle à la VAR, on vous montre ça au ralenti. Vous dites faute ou pas? Votez. Regardez. Tac et tac. Voilà, bloqué. Il touche le ballon, je le bloque et c'est fini. Les femmes. Comment ça faute? Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Ouh. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Voilà, il est chaud. Le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Le bon crochet vers l'intérieur. Terrier reçoit le ballon. Pas de faute, c'est bien défendu. C'est parti, monsieur Vati. Putain. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. C'est faire un tacle assassin au gardien là. Ah, on dit qu'un but vient d'être inscrit au stade Vélodrome. Et oui, avec le deuxième but en faveur de l'OM. Un but inscrit par Matteo Guendouzi suite à une erreur défensive. Donc deux buts à rien pour l'instant. Et on en est à la. Elles comprennent pas, il a dit. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Ah, le contre est possible. Avec Amin Gouiri. Vas-y, vas-y, viens. Ça joue encore sur Souleymana. Wesh. Ah, c'est dévié et c'est un corner. Pas faute, y'a grave pas faute. Le sort corner. Dessus. Merci, gardien. Et c'est facilement capté par le gardien. Courage les occupants de musique, j'allais prendre un but. Et voilà, la mi-temps est sifflée et dans ce match, l'OL mène. Zéro but encaissé, la réponse est non. Bon, après, on se la pète pas. Hein. Il y aura des mises à jour. Je pense que d'ici les mises à jour, on va se refroisser. Maintenant, on va affronter le Paris Saint-Germain, les gars. Avoue, t'as sué de ouf quand j'ai le coup franc sur la barre là. Je me suis dit, wesh, quel bail. Ah, ils ont retiré l'offre. Ok, 1 million pour lui. La vue, j'accepte.
Attends, il a combien d'offres lui? Tac, tac, ouais, j'ai accepté. J'accepte. Lui, peu importe l'offre, j'accepte. Voilà, j'accepte. Ouais, c'est carré. C'est carré, c'est carré. Casse-toi là. Allez, casse-toi et rapporte-nous des sous. Est-ce qu'il y a des cracks? Oui. Donc, il y en a, ils vont sauter. Toi, tu sautes. Lui, potentiel entre 70 et 90. Mais actuellement, il n'est pas bon, en fait, ça problème. Est-ce qu'il y en a, ils sortent du lot, vraiment? On va aller voir les autres, là. Et lui, il sort du lot, hein. 56, entre 56 de gêne et 76 de gêne, plus tard il aura max 93. Lui, il sort du lot. Alors toi, tu vas retourner à l'école, toi. T'as 15 ans, t'es jeune. Pense un peu à ton avenir. Et toi, viens là, là. Ah, lui, il est chaud, hein. Attends, qui va retourner à l'école? Toi, retourne à l'école, toi. Retourne à l'école. Rien à faire ici. Toi, max 85. Vas-y, retourne à l'école, toi aussi. Viens là. Voilà. On veut des cracks ici. Faut être strict, hein. Il y en a, faut leur dire, s'ils ont rien à faire dans le football. Lui, oh là là. Machado. Machado tout béant. Lui va percer lui. Viens au centre de formation. Ça va bien se passer, on va bien s'occuper de ta carrière. T'as déjà une équipe? J'ai une équipe de fou. J'ai une équipe de fou là. Regardez. 17 ans, 68 de gêne. Brésilien. 5 étoiles de geste technique. Le nouveau Ricard de Kaka, les gars. Promouvoir en équipe première. Let's go. Vous, les gars, vous attendez votre heure. Bande de merde. Oh, le centre de formation, les gars, il est incroyable. Le centre de formation, il est incroyable. Direct sur le banc. Le petit Rice. Rice tout béant. Donnez-moi un numéro de maillot. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme numéro de maillot? C'est encore en live, wesh. Bien sûr, mon gars, ça fait 42 heures de live là. 42 heures de live, on approche bientôt de la fin. Numéro 7, numéro 30, numéro 23, 82, 66, 8, 7, 26. Tous ceux qui donnent des numéros genre 8, 7, 10, etc. Et vous êtes des footchicks, vous. Il a 17 ans, personne ne le connaît. Il a 68 de gêne. Créer, on va lui donner un numéro de titulaire. Vous êtes à l'aise hein, dans ce live, hein. Ils sont à l'aise les footix là. Vas-y, numéro 66. On va t'écouter, Noah. Numéro 66, première saison. Numéro 7, et puis quoi encore? Il vient d'arriver, wesh, il est jeune. Après, bon, j'avoue, il y a un gars, il est arrivé, il a signé, il a pris le 10. Mais ça c'est une autre histoire. Oh, les bâtards, ils ont mis la une. Wesh, je mettais la 2, wesh. Et ils veulent en découdre, hein. Voilà. C'est un très gros Cinématique. match qui se prépare. Tout le monde en parle depuis plusieurs jours. On revient tout de suite au Groupama Stadium pour suivre ce match. Le gros match, les gars. Le gros rendez-vous de Ligue 1. Les deux plus grosses équipes de Ligue 1. Vous ne rêvez pas. Marseille n'en fait pas partie. On se calme, les Marseillais. Les Bonjour Marseillais, on tout le se monde, et calme. à Lyon, à Décines, On s'attrape le exactement, et 8. sous nos yeux, le magnifique On s'attrape Groupama le 8 Stadium au Parc des Princes. pour vous faire vivre Ça ce va très match. bien se Évidemment, passer. il y a Omar Da Ok. Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. Et on le sent T'as déjà, déjà fait le l'ambiance team et team de générale, ouf. c'est une très belle rencontre. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la Marseille. magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Neymar, Mbappé, Messi. Leandro Gennaro, oh là 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 là, les gars, incroyable.
Il y a un mec qui me dit ça, le footix. On est OM et au-dessus de Paris et Lyon. Paris et Lyon. C'est comme sur Twitter, ils aiment trop faire ça. Paris et Lyon ne connaissent pas Marseille. Paris et Lyon ne connaissent pas Marseille, sache-le. Tu vas laisser la, rediff? Non, je vais supprimer la rediff. Oh, il s'est passé des dingueries, les gars. Oh, hier, il s'est passé des dingueries, wesh. Avec Agile, tout ça, etc. Non, attends. On va enlever la rediff, les gars. Vous êtes des ouf. C'est trop dangereux. Ce live, il était trop dangereux hier. On va enlever la rediff et ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi de ce match avec l'Olympique Lyonnais. Ansu Fati, la croix, Malo Gusto, ça joue en direction de Gabi, peut-être un bon mouvement offensif là pour l'OL. Qu'est-ce que c'est bien défendu. J'ai deux temps ce Fèvre. Gabi, olé, le bon mouvement. Et c'est repris par le PSG. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins fait une prédit. Équipes en 6 points. Oui, on est encore à la mi-saison. Mais espérons que toutes les équipes tiennent le coup. Ça risque d'être un peu long. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Putain, ça joue, Verratti. Le ballon pour Kylian Mbappé. Y'a rien. Une intervention pour stopper l'attaque. Fati. L'occasion de prendre l'avantage. Est-ce que les Parisiens arrivent à marquer avant la mi-temps? À vous de misère. Est-ce que le PSG arrive à égaliser, enfin à marquer un but avant la mi-temps? Ce ballon piqué par-dessus le gardien, ce but c'est la définition de l'élégance. Putain, moi je suis éclatant en défense par contre, les gars. Après ce but encaissé, conservation de ballon, ils sont chauds les Parisiens. Ah oui, là ils font bien tourner le ballon. Là, ils déposent l'adversaire là. Léo Messi et penalty. Quoi? Parce qu'il y a cette faute dans la surface. Y'a quoi? Y'a quoi? Votez, vas-y, votez oui, je vais l'arrêter. Vas-y, votez oui. Votez, le PSG va marquer, j'attends. J'attends. C'est bon, c'est fini? Je suis choqué là. La vie, je vais l'arrêter, y'a pas but. Y'a main là? Bah non. Ah ouais, mais wesh. Wouah. Tiens. Allez, ceux qui ont voté oui là. Ça va bien se passer pour vous, on va bien s'occuper de vos pilules. Vous ne reverrez plus, plus jamais vos pilules. Ça va bien se passer. On va garder le ballon. On va faire tourner. On va prendre notre temps. Ça va bien se passer, les gars. Olé! Hop là. Ok, on revient derrière, Chiquitaka. Tac, changement de côté. Ouverture. Oh le dommage. Voilà. Tac, contrôle, Ziak. Pilule. Dommage. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Repliez-vous les gars, il y a Mbappé devant. Excellent arrêt. En plus leur permet de se maintenir à une distance raisonnable. Avec deux buts d'écart, c'est plus la même.
Merci Gusto. Très bon geste défensif, c'était risqué. Tranquille. On détente en léger, tac, Gabi. Tu fais ça, tu contrôles. Tu joues avec lui, Gusto. Tu reviens sur le côté. Romain Fèvre. T'as un souci, tu reviens derrière. Gusto. C'est carré. Tu prends ton temps, tu regardes le chat, tu lis les commentaires. Allez Paris. Ouais, si si. La croix. Si si, ouais, allez Paris. Malo Gusto. Allez les Parisiens. La réception Kamavinga. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Extérieur du pied, c'est Nike. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Anti-jeu. Comment ça anti-jeu? On joue bien, on joue tiki-taka, on produit notre jeu. Putain, Mbappé il est parti, merde. Mbappé. Oh la dé, oh la dé, oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards, ils m'ont lavé. Oh les bâtards. Putain, j'étais bien de ouf. C'est l'obèse là. Cette frappe est surpuissante. Et comme il avait la précision aussi, c'est un but absolument. Eh, Lopez, il est éclaté. Moi, je vais le vendre, moi, Lopez. Ça y est, je vais acheter à fond. Cherki. En dessous, Fati, reçoit le ballon. Oh là 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 là, c'est trop Fati. C'est trop Fati, c'est trop, arrête. Arrête Fati. Arrête Fati. Oh là là, c'est trop. La reprise du match ici, les Parisiens sont en difficulté. Et Kylian Mbappé. Ok. Fabien Ruiz. Eh non, il y a une position de hors-jeu. Bah oui, bah il y a hors-jeu. Regardez, est-ce que dans le match, le PSG marque un deuxième but? Allez-y, misez. Ils marquent plus, les Parisiens. Le Paris Saint-Germain. La réception Kamavinga. En dessous, Fati. Regardez, extérieur du pied, c'est Nike. Oh là là, incroyable. Je kiffe ce jeu. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Bellec Mbappé. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Bellec Mbappé. Aïe. Quand le ballon tape le cadre, on s'est dit que c'est le but du chaos qui vient d'être manqué. C'est peut-être un... Oh, ça y est. Ouf, j'ai chaud. Cette transition offensive. Eh, il est chaud. Était vraiment bien orchestré. Tout sauf le plus important. Tu fais le rap bien fait pour toi. Votez, votez, votez. C'est vrai, je me suis mangé un karma là. Bien doux. Bien m'a fait. Tagliafico. Ballon sur Alexandre Lacazette. Gavi avec le ballon. Et c'est pour Gusto. Qu'est-ce que tu me fais, Gavi, là? Je comprends pas. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Je regrette d'avoir mis non. T'inquiète. Hey, fais-moi confiance. Le PSG ne marquera pas un deuxième but tant que je suis vivant. Ok? Le coup d'envoi de la deuxième. Ça va bien se passer pour tous ceux qui ont misé non. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais doubler votre capital. Vous avez investi dans le bon truc. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Kamavinga. Kamavinga reçoit le ballon. Ballon sur Alexandre Lacazette. Ok. Joue sur Fèvre. Eh, Fèvre, ça rend ouf. Le corner. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Fabien Ruiz. Ok. Ils ont recruté NJK, le PSG. Et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble, ce rendez-vous de Ligue 1, okay. L'OL affrontera l'Olympique de Marseille. Comme ils disent, après, on affronte Marseille. Je suis hypé, c'est ça? Je suis très hypé. Il faudra marquer plus de buts. Ah non, c'est un hors. S'il marque, tu rembourses. La vie que non. Mais ils marqueront pas, wesh. C'est de la chance, t'as pas vu, c'est de la chance. Passe manquée.
Oh, le ballon oh, le bâtard, il m'a lavé. Bonne intervention pour éloigner le danger. Oh là 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 là. C'est, hey, c'est même pas réaliste. Retourner ciseau pied gauche. Il a fait de son mieux, le pauvre, pour cette action. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants adverses sont les contre-favorables. C'est sûr que la passivité de la défense, ça n'aide pas non plus. Ah. Dernier prédit, les gars. Est-ce que je gagne ce match? Ceux qui ont perdu, remisez. Faites-moi confiance. Misez sur moi. Est-ce que je gagne ce match? Est-ce que Lyon gagne ce match? Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. La casette. Eh bien joué dans la profondeur. Oh là 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 là, monsieur la casette. La casette. Voilà, faut miser 8. Pourquoi je te fais ma confiance? Les gars, il reste 30 secondes, les gars. Tous ceux qui veulent se faire des pilules gratos, vous misez 8. Vous misez 8, vous encaissez vos sous. Neymar. Ouais, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Misez 8, vous encaissez vos sous. Il n'y a rien de compliqué là. Grosse intervention là. Alors parmi nos prochains rendez-vous, on vous proposera bientôt un match de Ligue 1, le PSG okay. à Ajaccio. Et oui, le ok, football, c'est quelque chose tu contrôles, tu mets au deuxième poteau. Tu vois ce match comme une nouvelle vas-y. Grande fête du football. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Il y en a trois, ils ont misé non. Il va faire un changement. Tout le monde a misé oui, bravo les gars, vous êtes des braves. On va gagner ce match. Un corner qui est bien ajusté. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Voilà, bah ouais, pénalty. Qui veut tirer? Qui veut tirer, gauche, droite ou centre? T'es centrafricain? Oui, monsieur. Centrafrica. Qui veut tirer? Centre? C'est A, il a dit centre. Toi, ça se voit, t'as misé non, toi, espèce de menteur. Matondo, il a dit à gauche. Vas-y, on va écouter Matondo. Matondo, si je rate, on va attraper ta veste. Voilà, heureusement j'ai pas tiré au centre. Hein. Toi, je te cramais, toi, c'est un. Et ouais, les gars, la victoire. La victoire au Groupama Stadium. Le fait, le problème de cette carrière, c'est que, vas-y, ils ont pas encore fait la mise à jour sur les difficultés. Donc là, on dirait que c'est facile. Peut-être un coup à jouer pour Neymar. Et. Il élimine son adversaire. Oh, la faute est pénalty. Je m'en fais exprès. Putain, monsieur l'arbitre. Oh, le gros coup dur là pour cette équipe. Après le pénalty, c'est maintenant le rouge. Il n'y a pas pire comme scénario. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Si tu ne maîtrises pas ton engagement dans la surface, l'ascension est très lourde. Les gars, on plonge où? J'ai glissé, frère. Va à droite. Rezox, il me dit droite. Vas-y, je vais t'écouter. Si je vais à droite et que je l'arrête pas, je te mets 300 secondes, c'est bon? Par contre, si on l'arrête, je te donne 10 capillules. Retenez bien les modos. Hein. Les modos, si j'arrête en allant à droite, donner 10K à Rezox. Allez, c'est parti. Voilà, donnez-lui. Donnez-lui 10K, les refs. Oh là, Rezox, t'as un génie. Rezox, donnez-lui 10K. Au final, y a pas de danger. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Donnez 10K à Rezox, les modos, s'il vous plaît. L'appel n'était pas excellent. Et oui, il faut prévoir pour savoir et putain, savoir c'est incroyable, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Fabian Ruiz. De jeu, monsieur Rezox. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Le ballon pour Neymar. Bien fait, ça. Sans faute. Ah, le contre est possible. Merci. Merci. Il faut revenir en défense sur ce contre. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Voilà, monsieur. Attention à ne pas perdre le ballon. Mais ça y est, Neymar, il est cheaté ou quoi là? Ouais, le pressing est efficace là. C'est un ouf lui. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. C'est ouf Neymar là, il veut m'humilier comme ça là. Je suis en live, tu veux me dribbler. Ça se fait approcher. Avec ce changement demandé par le staff.
Attends, parce que là ça va commencer à être scripté. On va faire entrer des défenseurs. Je passe ce rang là. Ah, le crack. Le crack qui va rentrer sur le terrain, les gars. Raise. La future légende du football. Premier match, les gars, contre le PSG quand même. La pression, hein. La pression pour ce futur crack brésilien. Mais en attendant, monsieur Lacazette. Le ballon dans la profondeur. Se fait oublier, monsieur Lacazette, la vitesse. Putain, la charrette. Voilà. Est-ce que je gagne? La réponse est oui. On valide maintenant ou après, les gars? Très vite dans cette contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Regardez, la pression défensive s'accentue. Oh. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Voilà. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans valide cette maintenant. Ah, gros, vous avez vu? Après, quand vous retournez votre veste. Faut toujours m'écouter. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le PSG. Tiens. Et ça joue, Verratti, Hakimi. Voilà. Et le ballon est repris. Voilà, oh là là, le nouveau crack, il est chaud. Vas-y. Oui, oh là là, but. On valide maintenant, je pense. J'ai gagné. J'ai gagné, on est d'accord, les gars. Hop. Maintenant, la prédit, super simple. Est-ce que je marque sur cette action? Est-ce que je marque sur cette action, les gars? À votre avis, oui ou non? Est-ce que je marque sur cette action? Faites-moi confiance. Ça va bien se passer. Misez. Non, tu penses? Frère, 2v1 là. Misez les refs. Misez. Faut me faire confiance. Après, sur ce... imaginons par exemple, il arrête. Après, le ballon, il reste dans le camp, etc. En fait, là, comment ça va se passer? La fin de l'action, c'est quand le ballon sort de la surface. C'est-à-dire si je tire et que Kranjri après il arrête, après je reprends le ballon, etc. L'action n'est pas finie. Mais si le ballon il sort de la surface, c'est fini. C'est bon? Allez, c'est parti. Vous avez 17 secondes. Est-ce que je marque sur cette action? Il reste 10 secondes. Votez, c'est parti. La grosse opportunité, attention. Let's go. Hey, c'est free, c'est gratuit, c'est facile, c'est facile. Ton liso, sui, ton liso. Et ouais, les gars, je vous ai dit, faites-moi confiance, tu vois. Je vous ai dit, tous ceux qui ont gagné, mettez des emojis billets. Faut que le seum à ceux qui ont voté non là. Mettez tous des emojis billets, ceux qui ont gagné. Oh là là, c'est magnifique. Le lob. Ouais, très bon. Faut pas rêver non plus. Ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait surprendre. Belek à Messi. A joué minimum. Qu'est-ce qu'elle est précieuse cette intervention, bien joué vraiment. Et voilà une bonne option de contre-attaque. La passe pour Ansu Fati. Cherki bien placé. Et oui, c'est dedans. Regalito. Bon, je vais tout chiter, les gars. On attend la mise à jour. Je pense que le mode team il sera mieux modélisé, on va dire. Incroyable quand même, c'était serré de deux après. Ok, trouve un équilibre là, vite là. Vite. La mise à jour, vite on a dit. Enfin, il se bat. 13 millions. Ah, ça va, je suis bien. On prend qui pour 13 millions? Ah, mais une Guiri coûte combien? Moi, c'est bon, la casette, hein. Moi, je le vends, ça y est. Trop lent, frère. Merde, la musique. Junior, on peut créer déjà son club? Ouais, tu peux. Je vais vendre la casette. Et je vais me prendre Amine Guiri, le retour. Après, la casette, c'est comme la légende du club.
On va demander l'avis du chat. C'est vous les directeurs sportifs, les gars. Est-ce qu'on vend la casette, oui ou non? J'arrive. Je vais aller voir ce que font mes chiens. Dès que je reviens, je valide les votes. Allez, votez. Est-ce qu'on met sur la liste de transfert monsieur Lacazette? Monsieur Lacazette, le patrimoine du club quand même, on peut le dire. Un mec qui a beaucoup fait pour Lyon. Un mec qui voilà, regardez cette saison les gars, 17 matchs, 18 buts, 10 passes D, 8 de moyenne. Mais très lent. Allez, ça dégage. 64% de oui. Le peuple a voté. Le peuple ne veut plus voir monsieur Lacazette. Alors, la priorité les gars, c'est qui à votre avis? Adeyemi, Amine Guiri. Il y en a, ils ont dit Ronaldo, wesh. Wesh, les gars, il a 38 ans, les gars, Ronaldo. Et qui est d'autre la priorité, les gars? Donnez des budgets cohérents, les gars, s'il vous plaît. Me dites pas Haaland, hein. Benzema. J'avoue, Benzema, le retour, hein. J'avoue, Benzema, le retour, ça pourrait être incroyable. Mbappé, bah oui. Rodrigo, ça peut être bien. En plus le coach, c'est Gennaro. À tout moment, une petite touche brésilienne. Bon, le budget actuel pour l'instant, c'est 5 millions. Alors, Verratti, Nkoukou, Benzema. Vas-y, on va mettre Benzema. Donc là, on vire un joueur lent pour essayer d'avoir Benzema quand même. C'est vous dire à quel point vous êtes intelligent, le directeur sportif. Vous me faites peur. Allez, votez. On est premier au classement, 48 points. À tout moment, on gagne le championnat là. À tout moment, ça va bien se passer. Alors, 47% Benzema. Ok, mais vous savez, il coûte combien Benzema, les gars? Alors, Monsieur Benzema, il est où le Z, là? 35 ans, jamais je l'achète, c'est bon. 35 ans, 59 millions. Ma bite, je l'achète. Allez. Eh, vous êtes tous virés. Les gars, c'est bon, vous êtes tous virés. Vous êtes vraiment les pires directeurs sportifs de l'histoire. Oh non. Eh, vous avez serré ou quoi, les gars, wesh? On leur demande des conseils. Benzema, 35 ans, 59 millions. Mais wesh. Oh les, oh vraiment, oh vous êtes vraiment les pires directeurs sportifs. Oh c'est incroyable. Genre 59 millions pour 2 ans. Même pas, pour 6 mois de prime encore, après, avant de redevenir nul. Oh les pires directeurs sportifs. Nkoukou. Raphaël Lao. Mais est-ce que vous voyez le budget? Tu me dis Raphaël Lao.
Ça que je vous reproche, les gars. Au revoir, mon ref. Merci pour ce que t'as fait pour le club. Boude pas, t'inquiète, ça va bien se passer. Ok? Allez. Allez, faut y aller maintenant. Oui, d'accord, allez. Allez, au revoir. Cette scène, elle est violente quand même. Hein. T'es là, t'accompagnes le mec à la sortie. C'est vraiment des bâtards. Gabriel Ressus. Là, les gars, j'ai plus de... Attends. Non, j'ai pas eu d'offre là pour la casette. Hein. Et Marseille. Et les Marseillais. 37 points les Marseillais. Alors, prêt pour Cherki à Dortmund. Bah non, Cherki est titulaire ici. Faut quand même pas rêver. Ah ouais, d'ouf. Oh, de ouf. Dégage. Rendez-moi Loris. Oh, mais rendez-moi Loris à Lyon. On va négocier, on va négocier. Même s'ils veulent de l'argent, on leur donne de l'argent, mais donnez-nous... Rendez-nous Hugo Loris. Il a quel âge, Loris? Oh, ce goal, il m'énerve, Lopez. Chouameni, c'est prévu, les gars, mais c'est pas la priorité. La priorité, les gars, c'est un BU rapide pour compléter... monsieur... monsieur Fati. Après, bon... Ah, 2 millions, ok, moi ça me dérange pas. C'est pas 59 millions là comme vous là. 2000, Loris numéro 2 et je prends Lafond numéro 1. C'est bon? Incroyable. Incroyable les refs. Aïe 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 aïe. Allez, donne-moi. Ah, il a refusé? Parce qu'en fait, attends, ils veulent mettre. Du coup, ils veulent acheter. Lopez pour le mettre à la place de Loris, mais ils ont rien compris. Mes frères. Ou est-ce que c'est moi qui me fais carotte là? Loris est éclaté? Parce que là, ils veulent acheter Lopez pour le mettre titulaire à la place de Loris, je pense. C'est eux, ils sont bêtes, non? Ou c'est moi? 13 millions, il a accepté. C'est moi, je les ai carottes là, non? Il a dit, v'là le footix. Tu te fais carotte. Mais non, wesh, Hugo Loris. Et Hugo Loris, les gars, c'est au moins 87-88. Hein. Là, je les ai baisés, là. Vous êtes des ouf, vous. J'ai les carottes, là. Je donne Lopez éclaté, je prends Loris 87-88. Il est vieux. Mais et alors, il sera numéro 2. Eh, vous connaissez rien au business. Au business plan. Vous connaissez vraiment rien au business plan, les gars. C'est pas grave. Vous verrez quand il va arriver, là. Quand il va arrêter des pénalties. Tac. Ah, il y a beaucoup de cracks, par contre, là. Toi, t'es chaud, toi, ça se voit. Toi, t'es chaud. Donc, il y en a qui doivent partir. Hein. Je suis désolé. Qui va tailler, là? 51, non, 51 à 17 ans. Ah, mais il a un vrai potentiel aussi. 84 et 94. On va attendre. Mais Loris, il est pas dans la transaction. Non. Je me suis trompé. Loris ne va pas accepter de bouger. Attends, attends, attends. J'ai enlevé Loris de la la transaction, là. Loris n'est pas dans le deal. Tu mens. Non, non, la D. Jure. Attends, attends, attends. Deux secondes, on va aller voir. Jure. Oh, je me suis fait baiser, gros. Attends. Déjà, attends, tu te dégages. Retourne à l'école. Là, j'ai vu un Brésilien qui a l'air chaud, là. Oh là. En plus, il a accepté, il m'a serré la main. Même pas, il s'est dit, t'es sûr? Oh, le bâtard. Attends, reviens ici. Comment je fais? Eh ben, la vie que je reviens en arrière. T'es un ouf, toi, ou quoi?
Tu l'as enlevé, j'ai même pas fait exprès. Ah non, merde! Ah, c'est bon, c'est là. Là, vu que je reviens en arrière. C'est pas un pigeon, moi. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait, toi, sur la liste des transferts? Il a cru, il y a une carotte, frère. Il m'a proposé 17 millions, il a accepté 13 millions. C'est un ouf, lui. Même pas, il m'a dit, ouais, t'es sûr, etc. Oh, le ouf. Mais là, il y a qui en fin de contrat, du coup? Mbappé, fin de contrat, non? Non, qu'est-ce que je raconte, je suis un ouf, moi. On a FIFA 23, là. Depay fin de contrat, je crois. Depay fin de contrat, hein. Logiquement. Donc je fais ça, ça, ça. Comment ça il a signé? Comment ça il a prolongé? Attends, 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 ne me dis pas qu'il a prolongé. Ne me dis pas qu'il est bête. Ah, que transfert c'est là. Ne me dis pas que t'as prolongé. Putain, il a prolongé, c'est un imbécile. Putain, j'ai la haine, il a prolongé ce bâtard. Putain, il m'a carotte. Il m'avait promis de pas prolonger. Oh le bâtard, il a prolongé. Qu'est-ce qu'il est bête. Werner, jamais. Il sait même pas dribbler. Gabriel Jesus. J'avoue, ça peut être bien, hein. Bon, ils vont jamais accepter, hein. Jamais accepté, wesh. Oui. 50 millions. MDR. Vas-y, lève-toi de mon fauteuil là. Lève-toi vite de mon fauteuil, Chavi, là, allez. Et va là-bas là. C'est un ouf lui. 50 millions pour Depay. Anthony? J'avoue, Anthony à la passe de Fèvre. Mais non, mais là, là, les gars, c'est. Là, on parle de là, là. Et Adeyemi Vitesse. Et Rodrigo. Rodrigo et Fati, ça peut être incroyable aussi, hein. On a Anthony aussi. Anthony, il est pas modélisé, regardez sa tête. Vlahovic, c'est incroyable. 87 millions. Et. Anthony, et 56 millions. Et 52 millions. Et. Ah, pas cher! Pas cher est meilleur que la Cazette, ça. Hein. Et tu le revends plus cher que la Cazette en plus, ça qui est bien. Non, Moukoko, en fait, il a 72 carrément. C'est mort. Il est éclaté. Par contre, lui, c'est un bon plan. Lui, il monte grave vite et je le revends. Gonzalo Ramos. J'avoue, il est chaud, lui. Hein. C'est un attaquant. Genre, il joue pas dans le championnat portugais, lui. Est-ce que tu veux Dybala? Non, ça y est, Dybala. Moi, les gars, c'est achat-revente ici. C'est achat-revente moula. Regarde, il vaut 23 millions. Je fais une offre à. Même pas, quelle offre? Échange. Regarde, je te donne la casette. Et je te propose 1 million. Je suis gentil. Normalement, attends, même pas. 3 millions. Oh là c'est là vraiment là c'est moi qui me fais carotte carrément. Vas-y, accepte. Ok, pas de soucis. Pourcentage de revente, il veut 4% à la revente. Ah non, il veut Tolisso. Ah ouais, il est malin lui. Les gars, on donne Tolisso ou pas? Les directeurs sportifs là. Ça vaut? Je sais pas frère, si ça vaut. J'ai pas de MC remplaçant moi.
Je vous ai mis un sondage. Votez les directeurs sportifs. Traoré, il dit non. Isana, il dit non. Votez le directeur sportif. Est-ce qu'il veut me carotte là? J'ai l'impression qu'il veut me carotte. Oui, de toute façon, t'as Gavi. Ouais, mais Gavi, il est titulaire. Si je veux afficher l'équipe 2. Alors, les directeurs sportifs ont dit non. Voilà, on va arrêter. Non, contre-proposition. Proposer un autre joueur à échanger. Ah ouais, mais là, il n'y a plus personne là. Fèvre. Bah non. Il vaut 30 millions, Fèvre, quand même. Et ils valent du bif, hein. Lui, je le... Bah oui, lui. Personne ne le connaît, lui. La vie va là-bas. Et tu... Voilà, 7 millions, frère. Non, il va refuser. 17. Il vaut 8 millions. 14 millions, ça fait 22 millions. Ça y est, wesh. On va peut-être faire les rats, là. Là, il va accepter. Nous cherchons à vendre Adeyemi, mais aucun de vos joueurs ne nous intéresse. 18 millions. Adeyemi, 18 millions. On accepte ou pas, les gars? En vrai, ouais, hein. Et comme ça, j'envoie la casette. Du coup, tu vas accepter, ouais. 18 millions au lieu de 24 millions, incroyable. Et je vois la casette. Oh, comment ça va aller vite devant. Fatih et Adeyemi là. Putain. Putain, il est même pas modélisé. Même pas de contour, même pas modélisé, wesh. La vie, je propose pas plus de 50K par semaine. T'es mal les contours. 40K même, à cause de ses contours. Grand max. Ah bah 34. 16% à la revente. Rotation en plus, ça veut dire que je pourrais mettre en place en normal, il va pas bouder. Incroyable. Tu veux Gabriel Ressus du coup? Même pas, hein. Peut-être plus tard, c'est pas la priorité. Ah, c'est vraiment 16% à la revente. J'ai accepté ça? Putain, j'ai pas fait attention. C'est combien 16% de 280 millions? Je pense le revendre plus tard à 180 millions. Vous pensez c'est combien 16%? Ah ouais, mais là il demande trop d'argent là. Ça ouf. Ça ouf lui. Demande un salaire de ministre. Attends, on va te donner du bif quand même. Mais 18. Attends, merde, mais il va refuser là. Oh là, D, il va refuser. Oh le chien, il va refuser, les gars, j'ai pas de bif. Oh le chien, il va refuser. Comment ça se fait, on n'a pas d'argent, wesh. Putain, il va refuser. Comment je relève ça? Attends. Ouais, retirer la prime. Mais enlevez-moi cette prime. Mais au pire 10 000. S'ils veulent absolument mettre une prime. Car voilà. Là normalement t'acceptes là. Ah c'est bon, il a accepté. Ouf! J'ai eu chaud. Bienvenue à Adeyemi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça va très très bien se passer. Oh les gars. Oh les gars, le business. Bienvenue mon ref. Quel homme. Budget 14 euros.
De ouf. Oh les gars, j'ai la dalle. Je vais commander à manger, je crois. Hein. Commander un bon McDo là. Ouais, je souris ma gueule. C'est un ouf lui. T'es pas content? Il boude. Tu fais un signe dans le plus grand club du monde, frère. T'es là, tu boudes. Vas-y, de pas, du coup, ça dégage, hein, ça dégage de ma liste. Ce traître. C'est qui les joueurs en fin de contrat, en fin de saison, les gars, s'il vous plaît? Tu vas pas regretter, il est trop fort, ça se voit. Asensio, fin de contrat, c'est vrai? Ouais, mais bon, Asensio, frère, wesh. Autant garder Fèvre, hein, dans ce cas-là. Bon, la casette, là, il y a ADMI, je t'explique, qui vient d'arriver. Donc, il s'agirait quand même d'avoir des offres. Pour partir d'ici, s'il te plaît. Fèvre aussi, là. T'es bien drôle, tout ça, tu marques des buts. Mais ça, j'arrête de partir, t'es pas modélisé. Maurice, ok, y a pas de soucis, tac, tac. Allez, let's go. Le bureau. Les finances, 14 millions. Ah non, 14 euros, merde. Oh, j'ai vu 14, je me suis dit, putain, on est riche. En fait, c'est 14 euros. Bon, attends, on peut pas demander du budget au président? Si Xavi Simons fin de contrat, ben non, wesh. Il vient d'arriver au PSV, il a pas signé pour un an au PSV. Comment c'est possible qu'on a 14-0 comme ça? Rashford fin de contrat. C'est vrai ça? Rashford fin de contrat. Mais non. Isco. Mort. Mort à Lyon? Allez les verts, mais t'es un ouf toi! Comment ça, mort à Lyon? Ça va pas à la tête! Mais moi, je sais pas, je peux pas dire un truc comme ça sur Marseille. Mort à Marseille, allez Paris. Mais wesh. C'est un jeu vidéo ou wesh? Mort à Lyon, putain, c'est. C'est une dinguerie de. Wesh. Oh, le ouf. Oh, lui, il est monté, hein. Oh, lui, les gars, il va percer, lui. Lui, va percer dans le football. Lacazette, il s'agirait d'avoir des offres, s'il te plaît. Lui, il joue jamais, je vais le mettre là. Tac, tac. Tac. Tac, incroyable l'équipe. Hey, hey, les gars, vous êtes des cracks, hein. Il y a un mec qui me dit achète ça alors qu'il a bien vu que ça fait 14 euros. Prends 28. Sinon, il te prend 28 millions sur 180 millions. Juan Alvarez. Vend Lopez. Je l'ai vendu, Lopez. Ah non, je l'ai pas vendu. J'allais me faire carotte, j'allais le vendre à 13 millions, j'ai recommencé. Non, je vais pas le prêter, le petit crack brésilien. Prends Vini. Prends Neymar, bye. Tais-toi, enfoiré. Comment ça, tais-toi, enfoiré, Sabrina? Eh, hey, Sabrina, t'es à l'aise. Va falloir te détendre. Je sais que le live, il a duré longtemps. 43 heures de live. Les nerfs sont tendus. Les gens sont énervés, les gens ont faim, les gens ont la dalle. Aérez les fenêtres un peu, non? Allez vous doucher, revenez, prenez du café. Détendez-vous, hein, Sabrina. Dommage.
doit avoir des odeurs. Hein. Bon, allez, Marseillais, c'est l'heure. On va mettre la 2 contre Marseille, les gars. C'est pas ici qu'il faut modifier, c'est là-bas, c'est encore bugué. C'est grave quand même à ce niveau-là. C'est grave à ce niveau-là quand même. Les gars, contre Marseille, on met la 2. Même pas, je vais mettre la 3 même. Quel joueur à quelle heure? Quel joueur à 20h? Les gars, je vais mettre une prédit. Oh non, je mets la 2 contre Marseille. Est-ce que je gagne? Votez. Attendez, tac. Code x3, les gars. Code x3 contre Marseille. C'est bon? Est-ce qu'on va gagner contre Marseille? Mais pourquoi il veut pas sortir Kamavinga? Dégage. L'un des joueurs a été expulsé, il faut le remplacer. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, les gars. Putain, c'est encore bugué. Ah, fallait le faire ici. Les gars, votez, est-ce que je gagne? Hé! 14 personnes qui ont voté victoire, vous me faites confiance à ce point-là? Oh la dinguerie. Personne croit en Marseille, là. Allez, bâtard. Oh putain, c'est long ce live. Ce live est long. 43 heures de live, bordel de merde. Fati qui joue pas. Tolisso sur le banc. Vraiment, on met la 2 de chez 2. La 3. Tac. Lui là, c'est un petit crack à ce qui paraît. On va le tester aussi. Misez les refs, misez, il vous reste 3 minutes. Il y a des matchs de foot et puis il y a deux matchs si particuliers entre ces deux équipes. L'Olympique de Marseille affronte l'OM. Le duel des Olympiens. Le fameux duel des Olympiens, les gars. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dans la vie de tous les jours, les gars, vous êtes pour qui? OM ou OL? Bienvenue à l'Orange Vélodrome. À vous de voter, on va voir à quel genre de communauté j'ai affaire aujourd'hui. Je vois de l'excitation, de la jubilation, de la fusion. Dites-moi tout à travers ce sondage là. Oui, c'est l'Olympico, comme on l'appelle maintenant. Pour qui? Dans la vraie vie de tous les jours. Les deux? Margot, comment ça les deux? On avait dit pas de footix dans ce live hein. Oh là là, Margot, faut pas rester ici. Je suis désolé. T'es là, tu dis les deux. Comment ça, les deux? Faut pas rester ici, hein. Il y a d'autres streamers là qui jouent à FIFA 23 là. Ils ont eu le jour en avance. Vas-y. Vas-y, Margot. Voilà, ouf, elle a dit les deux, wesh. On est où là? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a plein de streamers, ils ont eu le jour en avance. La composition de l'Olympique Lyonnais. Let's go. Rapidité, endurance. Vous avez voté quoi? Ce 4-4-2 à place, c'est un... Il y en a 3, ils ont voté que je gagne pas contre Marseille. Quand même les gars, oui. On a tapé le PSG là. On a fracassé le PSG. C'est vraiment pas fracasser les Marseillais. Sousso. Et Bélec, je prends un karma. La bonne intervention, touche. À tout moment, je prends un karma sale. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé.
Et les gars, votez, il vous reste une minute. Ballon pour Sousso. Dans le but, pas de problème. Il est bien chauffé et on le voit avec ce bel arrêt en tout début de match, toujours 0-0. Ah oui, le bon ballon, regardez. Oh là là là, un regalito. Un regalito. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Matisse? Pur produit lyonnais du centre de formation, les gars. Insolence totale. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh là 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 là. Tac, passe croisée, contrôle. Ta. Oh là là. Incroyable. Incroyable. 74 de général. Sans forcer. C'est beau. C'est beau, c'est le football. Ouais, c'est bien animé, tout le monde participe à la construction. Voilà, le physique. Ah non, la construction, mais le ballon est perdu. Et c'est parti, Matisse encore une fois qui fait un appel. Maurice. Ah. Eric Bailly. À la réception, Alexis Sanchez. Gerson. Bon, ils vont dominer, je pense. Hein. Je pense qu'on va. Bien joué dans la profondeur. Oh le bâtard! C'est dedans! La réponse est vite venue! Quel scénario incroyable! À oh le bâtard! Encaissé, et c'est déjà l'égalisation! Attention les Marseillais! Avec ce but inscrit un partout. Le karma, les gars, le karma, attention au karma! Le karma est puissant! Voilà, gusto. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Rennes, yes. Et moi les gars, j'ai l'impression que tous les Rennes ils sont pour Marseille. À chaque fois qu'il y a un Ryan, il est soit pour Lyon, soit pour Marseille. C'est dinguerie. Bonne intervention pour éloigner le danger. Tous les Ryan détestent le PSG. Vous aussi ou pas, vous connaissez ce genre de Ryan? Cette parade est importante, ça rassure son équipe. Ouais, mais attention, quelque chose me dit que c'est pas complètement fini. Gendouzi avec le ballon. Non. Avec le ballon. Tranquille, voilà. Tac, le bon tac. Retour défensif, ça pouvait être tu ressors. Cherki. Cherki qui prend la vitesse. Voilà. Des appels. Une frappe enroulée. Et le ballon fracasse la barre transversale avant de sortir. T'es fou, je me sens insulté. Je te jure, à chaque fois que je vois un Ryan, il est pour. Après, c'est mon expérience. Hein. Et tous ceux qui s'appellent Younes, est-ce que vous êtes gaucher? À chaque fois qu'il y a un Younes, il est gaucher. Tape des enroulés pieds gauche là. Le ballon pour Romain Febvre. Ok. Extérieur du pied. Prendre l'avantage. Putain, t'es moche. Le gardien plonge bien. Et la frappe. C'est qui ça? Tolisso. Tolisso. Non, c'est faux ça aussi. Ah. Pas obligé. Ok. Ouah, lève-toi frère, y'a rien. La faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre? Et cette action vaut un carton jaune? Bonne décision de l'arbitre. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Allez, devant non le... Ouh, sauvetage de Lopez, magnifique. Oh, le tir. Putain. Il va la chercher, Anthony Lopez. En défense, on est éclaté. Et ça joue dans un petit périmètre. Merci, encore. Tac, c'est parti. Hop, il pousse le ballon. Tac, Cherki qui accélère. Tac. Ademi, tac, on prend le ballon, tac, Ademi contrôle, il a vu Cherki, qui redonne à Ademi, Ademi accélération, il lève la tête, il redonne à Cherki en coup du foulard. L'espace et le temps, sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Mettez leur jeu. On constate, c'est vraiment pas leur priorité la possession. Ok. Soussou avec le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture. Non. Oh, la frappe.
Anthony Lopez. Et le ballon est détourné sur le montant. Ok. Ok. La passe en profondeur, c'est dangereux. Let's go. On valide maintenant, les gars, ou pas? Est-ce qu'on valide maintenant, là? L'équipe de Adeyemi. Power shoot. Oui. Arrêtez de siffler pour rien. Ça y est, frère. Il était propre de ouf, le tacle. Désolé pour la musique. Les gars, je prends un Doliprane. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai mal au crâne. C'est la dernière ligne droite. Bientôt 20h, on va faire un 20h minuit et après ça fera 48h. Putain. Doliprane. Les gars, vous allez plus me revoir. Vous allez plus me revoir en live. La vie marque pas. Il marque sur ce coup franc. Je suis une grosse pute. Ouh, la frappe. Oh là 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 là. Mais quel coup franc. Et c'est au fond des filets. Regardez la manière dont c'est frappé. Ça donne un effet fuyant. Il contourne le mur. Tu penses que tu peux l'avoir. Et finalement, il s'accélère dans l'air. Le jeu peut reprendre et l'OM a rattrapé une partie de son retard. Mais il faut encore un but pour égaliser. Comment je vais supprimer ce live après là? Oh là là. Allez go. Oh comment je vais grave supprimer ce live. Ça va bien se passer. Hein. Personne pourra revisionner ce live. C'est très bien joué tout ça. Et derrière, ce n'est pas le genre à balancer. Le ballon est parfait. Ça fait 4-2. Pour venir tromper. Un bon clip. De ouf. C'est grave supprimé ce live. Bon, ça fait 4-2 avec l'équipe 3, frère. On va faire rentrer les jeunes, la jeunesse. Ah, le bâtard, il a dit je suis un rec. Vous avouez, il était incroyable. Hein. Un bon coup franc bien enroulé dans la lucarne, bien travaillé. Bien joué. Bien joué, les Marseillais. Quel tir puissant, mais le but, c'est pas. Il y a la CAN. Non, il n'y a pas la CAN. Il n'y a que deux équipes. Il y a Maroc et Ghana. Mais après, il y aura des mises à jour. Ils vont rajouter des équipes avec la Coupe du Monde. Il n'y a pas la Coupe du Monde encore en jeu pour ceux qui viennent d'arriver. Ils vont faire une mise à jour, ils vont l'ajouter là. Récupération du ballon. Oui, la belle incursion là. Ah, il prend sa chance de loin. Bonne prise de balle sur cette action. Le power shoot. Léo Balerdi. Si je remarque là, c'est bon, j'arrête. Hein. Wesh. Vient d'être confirmé par la direction. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Ouais, oh les bâtards. Bien défendu. Bamba Dieng. Inch'Allah, il y aura la Tunisie. Bien sûr, il y aura la Tunisie avec la mise à jour. T'inquiète même pas. Tunisie, Cameroun, tout ça, Sénégal, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais y'a quoi, frère? Y'a quoi? Y'a quoi, frère? L'arbitre va décider. Et l'arbitre sort le carton jaune pour la deuxième fois. Pas la peine d'y philosopher. Quand on est déjà averti, il faut lever le pied. Hein?
Ah. Ah, ok. Je pensais que c'est moi qui avais taclé le ballon et que. Bah, en fait, moi je voyais l'action comme ça, moi je la voyais comme ça. Genre en mode c'est moi qui ai taclé. Putain, le bâtard, il a fait la passe avant. Putain, quel chien. Allez, changement donc. Là, ok, là je comprends. Avec ce centre vers le deuxième Je me poteau. suis dit, wesh, j'ai taclé le ballon, il est parti sur le côté. Ouais, bonne récupération du ballon. Il y a un contre possible à Oh, jouer j'allais là. péter un câble. Par-dessus, c'est très bien joué. Oh, c'est bon, les gars, on a gagné. Moi, je valide. Moi, les gars, je valide. On a gagné. Là, il y aurait une prédiction sur cette action, là. Il y aurait une prédiction sur cette action. Est-ce que je marque? Est-ce que je marque, les gars? Code fois 3. C'est facile. Comment ça, non? J'ai validé, moi. Moi, je vais gagner ce match. Arrêtez de faire genre, il y a du suspense. Les gars, est-ce que je gagne maintenant, je marque maintenant ici? Oui ou non? Par contre, là, si je rate et que après, je gagne pas, oh putain, le nombre de personnes que je vais devoir rembourser. Les gars, est-ce que je marque sur cette action? Allez-y. On précise, les gars, que l'action se finit lorsque le ballon ressort de la surface de réparation. Imagine, je tire, il arrête. Et après, si le ballon il est encore dans la surface, l'action n'est pas finie. On est d'accord ou pas avec ça? On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord déjà? Mets un power shoot. Non, 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 je vais bien la finir de l'action. Misez, misez les gars, misez, misez. Est-ce que je marque sur cette action? Putain, la pression! La pression que vous mettez, les gars, tout le monde a misé 8 là! Oh là, des. Ah là, des mis. Allez, il faut aller fixer maintenant. Merci! Oh la vie, j'ai eu chaud de ouf! Oh, plus jamais je fais ça. Jamais je me mets la pression comme ça là. Putain, vous allez me faire insulter. J'ai pris tout mon temps là. Bon, je pense qu'on a gagné, ça y est. Flemme. Attends. La pression défensive s'accentue et pourtant Entrée en il jeu. arrive à Ça marche tenir comment? tout le Ah, ça monde marche de comme ça. distance et à déclencher. Ok. Il n'y a pas les temps forts, je sais pas quoi là. Bon, allez, on a gagné, hein. On a gagné, les refs. Vendre de la casette maintenant. J'étais à ton dernier live. Attends, c'était quand? C'est que là, on est toujours en live. Si t'étais là, Sam. Non, si t'étais là dimanche, c'est même live, mon ref. Ah, là, on a 3 millions, là. Vas-y, la casette, hein, faut qu'il intéresse des clubs, là. Là, on joue contre Lille. Putain, comment j'ai la flemme d'affronter Lille. Je t'ai posté le clip du coup franc sur Twitter. Ah, t'as un bat. Ah, c'est comme ça ici. Il faut jamais dire jamais. Va, deviens pro. Ouais, je pensais à ça. Moi, je crois, les gars, je vais aller en deviens pro. J'ai la flemme d'affronter Lille. En fait, je pense que je vais continuer la carrière là après la mise à jour. Parce que là, le mode de difficulté, il est vraiment. Il est éclaté, frère. On a tout activé. C'est quoi ça? Le centre de recrutement vous propose de l'aide aux ressources personnalisées pour améliorer votre technique sur le terrain disponible en mode coup d'envoi, compétition et carrière. Ok. Zaki, c'est un crâne. J'ai pas compris.